Aujourd'hui, on se retrouve avec le Manurin Walter en 7,65. J'espère que vous allez kiffer. On va voir ce que ça a donné à 25 mètres. Et au premier abord, j'ai l'air d'être dans la cible. Ouais, je suis dedans. Hey, je suis pas loin du centre. Tire à 25 mètres. Merci les abonnés, ça suffit. Manurin, très bonne canne, c'est assez indéniable. Walter C65, quand même. Oh. Le chargeur il est là, si vous ne bougez pas, il n'y a rien dedans. Vraiment, j'adore. Regardez ça, j'ai fait un petit peu plus rapide. Je suis un peu localisé en bas et même vainqueur. Ça, c'est bon. Ça. Ouais. Par contre, pour le moment, le seul bémol, c'est que ça fait un peu mal à la main. Dans le sens où, ouais, vous voyez pas trop bien. Mais... En fait, comme l'arme est vraiment courte, ça appuie à l'arrière. Et ça force, même en baissant ça. Pas mal. Et du coup, je le rappelle pour tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Tire en 7,65, stand de tir, arme à feu. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur ma chaîne qui concerne comment débuter en tir sportif en arme à feu. En tout cas, aux nouveaux et nouvelles abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez juste là, c'est gratos. Et vous pourrez voir du contenu exclusif de plein d'autres de mes vidéos. Bon, voilà, l'entièreté des cibles, franchement ça fait vraiment plaisir, très bon tir, ça fait kiffer, c'est vraiment sympa. Je pense que c'est l'arme à vraiment utiliser sur du 25 mètres, tir longue distance, il y a moyen de faire des bons tirs, franchement, on va s'éclater. Bon, il y a quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ouais, bon, il y en a 20 qui sont en dehors du noir, ouais, il y a la moitié de la boîte. Mais on a quand même une bonne autre moitié qui est en plein dans le noir, c'est cool. Donc, il y a moyen de s'éclater. N'hésitez surtout pas à vous abonner et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.